bien, bonjour à tous les amis, c'est Portus et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, je suis en forme, je pète la forme donc ça fait plaisir. On est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de TSA. Donc le trajet, on part de Valenciennes, donc dans le Schnorr, dédicace au youtubeur Léonade. Et puis on va se taper un peu de 4 voies, on va passer le pont de Normandie, quelque part par là. Moi je crois que c'est quelque part par là. On va aller là, tac tac tac, si on va passer à côté de Caen. On va aller au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, je vous l'avais montré pendant la vidéo numéro 2, donc il y a plus d'un an déjà. Après, on va aller à Grandeville, et puis on va prendre le ferry de Saint-Hélier, car je veux aller voir les îles de Guernsey et Jersey. Bon, Jersey, il n'y a rien, mais Guernsey, voilà, ils ont fait des trucs, donc j'ai envie d'y aller. Et après, peut-être si on a le temps, on ira pour Portsmouth, ou on ira peut-être en Angleterre. Mais bon, nous déjà, il faut qu'on parte. Comme vous... Déjà, on va mettre le GPS, le petit rétro. Alors là, juste comme ça, là, quand je vais mettre le contact, ça va tirer à droite. Je vous explique après pourquoi, lorsqu'on sera bien calé sur l'autoroute. On va démarrer. Voilà. On va remettre la seconde. Et on est parti. Voilà, on est parti, il faut quand même y aller. Donc, voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors déjà on va tenter, parce que c'est vrai que ces virages là ils sont un peu chiants. Hop, donc déjà on va quitter. Ouh, on a les eBay juste à côté apparemment. Aujourd'hui je sais pas, aujourd'hui je suis un peu fifou. Normalement vous allez voir cette vidéo vendredi, donc vendredi ou samedi, je sais pas encore quand est-ce que je l'upload, mais à mon avis vous allez voir courant du week-end. Donc là, autre, on va prendre l'autoroute à 23. Voilà. On est à côté de la jeune fabrique. On est à côté de la fabrique Toyota. Enfin bref. Ouh, l'échangeur. On va rouler un petit peu. On va prendre les petits kilomètres qu'on a fait. Voilà. Nous rentrons dans une petite forêt. Et à mon effet, il y a une petite forêt par ici. Enfin ouais, j'espère que le retour des vidéos ETS va vous plaire. Moi en tout cas, alors désolé, il y a des lags. Hein. Désolé, il y a des petits lags, des petits lagounis, des petits machins, des petits trucs. Voilà. J'espère que le retour. Attends, faut passer par là, c'est vrai. Le retour en force des vidéos va vous plaire. Moi personnellement, je suis super content d'en faire. Bon, en vrai, je vous dis la vérité, j'ai surtout des vidéos comme ça. Oh les. Parce que je n'ai plus rien à vous fournir, voilà, c'est-à-dire, toutes les vidéos que j'avais en réserve, je les upload. Tu vois, vous voyez, parce que j'avais gardé des car vlogs, voilà, et voilà, vu que je peux pas, vu que je peux pas vous sortir que des vidéos V2 tout le temps, parce que sinon, c'est-à-dire que je n'ai aucune originalité, je vous ressors, voilà, des petites vidéos, comme ça, des vidéos ETS. Moi ça me plaît, j'espère qu'à vous aussi ça vous plaît. On a un petit concessionnaire Renault Truck juste à côté. Et puis voilà, c'est ce que je vous fais et ce que j'aime bien faire. Voilà, on revient un peu comme il y a un an, hein, si vous vous rendez bien compte. Il y a un an, je vous avais fait. Oula, je roule un peu trop vite, moi. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Tac tac tac. Petite forêt. Et en vrai, je sais pas. Les amis, on est Rouvigny, c'est quand on repart vers Paname ou pas? Attendez, je sais pas là. Je sais pas trop, les amis. Dites-moi en commentaire, faut passer par où. Allez, on tire mon point ici. Bien, on prend à droite. On va prendre l'autoroute. Autoroute A23. Et donc voilà les amis, c'est pour ça, voilà, vu que j'ai pas trop de vidéos à vous sortir, je vous sors une petite vidéo de test tranquillou. Alors bon, le camion avance fort, hein, c'est parce que je suis pas chargé. Et à voir si jamais, oula, si les vidéos vous plaisent comme ça, bah, j'en referai un peu plus régulièrement, des petites vidéos comme ça. C'est des vidéos, voilà, il n'y a pas de but, on se balade tranquille sur la carte. Bon là j'ai fait un petit trajet, mais bon, sans plus, tu vois, on... Excusez-moi, j'ai tutoyé, désolé les amis. Mais voilà, c'est des vidéos où on fait ça. Là, on a un petit peu, on va avoir pas mal d'autoroutes
dans cette aberrante vidéo R2. Roissy, 1h26, on a 1h26 de Roissy. J'ai pas d'avion à prendre, donc je m'en fous. Ouais, j'espère que le Carblog 8v2 vous aura plu, parce que c'est une vidéo qui est assez sympa à monter. C'est surtout une vidéo sur laquelle j'ai eu beaucoup de chance. Dans le sens que j'ai pu la monter et l'upload sans avoir aucun problème. C'est-à-dire que j'avais énormément peur quand je l'ai upload, en pensant que j'allais me faire strike ma chaîne YouTube. Parce que tout simplement, voilà, YouTube, on va dire, ils n'aiment pas trop les musiques, surtout là, c'était pas discret. Non, pas discret, c'était vraiment pas discret la musique que j'avais mis. Plus du bon vieux rap, des musiques qui sont même plus dispo sur YouTube à l'heure où je vous parle, parce que moi je les avais vu, parce qu'en fait il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Music Skyrock, qui en fait met toutes les versions Skyrock, il y a des jingles, tout ça, avait mis Bon Bye Bye, et c'était comme ça que je les récupérais, même, tu vois, même vous voyez toutes les musiques qu'il y avait sur ma chaîne YouTube. Voilà, toutes les musiques que je vous mets en vidéo, c'est des musiques que j'ai téléchargées il y a un petit moment, ça va faire déjà depuis novembre à peu près. Je crois, ouais, ça fait depuis novembre. Voire avant. Alors, Lyon, 50 km. Ok, mon ami. C'est vrai que là, on a rechopé l'autoroute à péage. Et voilà. Très clairement, c'est par rapport à ça. J'espère que c'est des vidéos qui vous plaisent. Parce que moi, personnellement, j'y prends du temps. Je prends du temps à faire des vidéos comme ça. Ah, ils l'ont condamné. Tiens, tiens, tiens. Alors, ou ils sont en travaux, ou ils l'ont condamné. Mais cette station service, moi j'ai le souvenir, dites-moi en commentaire si je peux pas, mais dans mes souvenirs, c'est une station, je l'ai toujours connue, c'est-à-dire qu'elle est là depuis, 2012, depuis que ETS existe. J'ai envie de vous dire, comme cette autoroute, hein. Bon là, celle qu'on prend, non, mais c'est celle sur laquelle on était, moi je l'ai toujours connue. Hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de temps ça fait que vous jouez à ETS. Moi, personnellement, je joue à ETS depuis 2014. Alors, c'est un peu compliqué parce que en 2014, j'ai acheté le pack avec, vous savez, le carnet de route et tout ça. Si je peux vous trouver une photo, ben, je vous prendrai la photo. Mais voilà, c'était ça. Et en fait, il s'est passé que la version que j'avais n'était pas une version Steam. Alors, Je ne dis pas que j'ai craqué le jeu. Le jeu, je l'ai acheté légalement. Si vous voulez, j'ai encore même le ticket de caisse. Donc, bon, il est un peu abîmé parce que vous savez tous que l'écriture des tickets de caisse s'abîme avec le temps. Donc, forcément, j'ai l'écriture du ticket qui s'est un peu abîmée. Mais à part ça, le ticket est lisible. Vous pouvez récupérer les informations que vous voulez dessus. Typiquement, tout est OK. Oui. Ouais, mais là, c'est okay. Mais là, on peut pas partir vers Calais, frérot. Ils ont bloqué la route. Je vais mettre à 90 km/h. Et donc voilà, je me suis retrouvé du coup avec la 1.0.5 ou la 1.10 ou... Bref, une version assez très 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 vieille. Je pouvais même pas mettre de mode. Et je me souviens que la fois où j'ai pu rentrer quelque chose dans le dossier mode, c'était le mode du Renault Rancheté. C'est un mode qui était rentré. En fait, les modes s'activaient automatiquement. Et voilà. Après, l'avantage, c'est que moi, je préserve une version ETS2 origine qui a jamais été connectée à Internet. Mais voilà, du coup, moi, j'ai connu la map de base sans aucun DSR. Il y a pas mal de likes. D'ailleurs, si vous voulez, quoique, je sais pas, j'irai peut-être vous la montrer en fin de vidéo. Ouais, peut-être à la fin de la vidéo, je viendrai vous la, j'irai vous montrer la map. Qui était une map qui était quand même grande, mais côté France, je la trouvais très petite. Parce qu'en fait, on avait tout ce qu'on a à l'est de Paris jusqu'à Lyon. C'est-à-dire, on avait Paris, Lyon, Dijon, Strasbourg, Metz, Reims, Lille, Calais,
Et c'est tout, je crois. Et c'est tout, on n'avait que ça. Donc, la route Calais-Duisburg, elle y a toujours été. Donc, d'où le fait qu'elle est très connue et que du coup, ça l'a rendue dangereuse. Et, remarque, je vois un smoulard à droite. Et du coup, voilà, c'est ça. Après, côté Allemagne, c'était assez. C'était un petit peu chargé, mais ouais, voilà, c'était sans plus. La Pologne, par contre, alors, je sais que maintenant je joue à la Pologne Red Building, donc non, forcément, c'est une autre histoire. Mais il faut savoir que la Pologne est juste horrible sur le jeu, c'est-à-dire que sur la map de base, elle est juste horrible. Si vous n'avez pas la promo, franchement, moi, quand j'ai pas la promo, le peu de route que j'ai fait. Sans avoir la promote, je ne pouvais pas rentrer en Pologne tellement ça me piquait des yeux. Après, en Italie, bon, vous aviez Turin, Milan et Vérone. Vous aviez même pas Venise à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Venise, il n'y avait pas Klagenfurt. En Autriche, il n'y avait pas Klagenfurt-Nigrace. Il n'y avait pas la Hongrie, c'est un DLC. En Slovaquie, bon, on n'avait que Bratislava, mais ça a toujours été ainsi. En la République tchèque, elle a pas tant bougé que ça. C'est un pays qu'ils n'ont pas trop modifié. La Suisse, pareil, elle reste toujours aussi. Ah, ça, nous sommes en Normandie. Ouais, voilà, la Suisse, elle est toujours aussi. La Suisse est toujours aussi pourrave. L'Italie, par contre, elle est bien régulée. Les Pays-Bas. Ça va, prends du chemin. Ça ressemble pas du tout à ce que c'est réellement, hein, parce que les Pays-Bas, à quoi ça ressemble réellement. Bon, là, par contre, je vais me mettre à droite, coucou. Parce que entre le grand Jackie, là, qui m'a doublé par la droite, que je vais redoubler parce que deux Jackie font que. Putain, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai envie d'appeler tout le monde Jackie. Je sais pas, lui. Je sais pas, aujourd'hui, je suis Jacques Humour. Non, en vrai, c'est qu'hier, les amis, il y avait Marrakech du Raïra. Je l'ai regardé, les gars. Là, aujourd'hui, je suis en feu. C'est-à-dire, là, j'ai tous les sketchs qui me reviennent. Bon, merci, grand Jackie habillé en Marseille. Ça n'a rien à voir, hein, mais bon, c'est moi qui aime bien dire ça. Attendez, ouais, c'est bon. Le Havre, Caen, Fécamp, j'y suis déjà allé une fois. Fécamp, j'y suis allé, j'étais bébé. Je me rappelle quand j'étais à la Fécamp, j'étais tout bébé. Même là, quand j'avais pris cette autoroute, j'avais quoi? Je devais avoir 4 mois, 4-5 mois. J'étais tout petit à cette époque. Je pense. Les vidéos, je suis prêt à parier que je les ai plus. En tout cas, de toute façon, les vidéos, je n'aurais pas pu vous les montrer. Parce que les vidéos, parce que notamment, elles ont été faites sur cassette. Et comment vous dire qu'il est hors de question que je paye 39 euros? Rien que pour les faire numériser sur les faire passer sur clé USB ou sur disque afin de pouvoir vous les montrer, c'est tout. Voilà, ça sert à rien sur moi. Vous les verrez quand il faudra les voir, quoi. Mais là, c'est pas le moment. Bon, les amis, moi je vais quoi que moi je vais couper et puis on se retrouve une fois qu'on arrive au pont de Normandie pour continuer le schmilblick. Voilà. Va tout de suite! Bon, les amis, nous prenons le pont de Normandie. Alors, désolé, là, je suis en train de spammer mon clavier. C'est parce qu'en fait. Ah, bah tiens, 90. C'est simplement parce que je coupais la radio, en fait. Tout simplement. Ah. En fait, on a passé un pont. J'ai cru que c'était le pont de Normandie! Oh, l'imbécile! Mais quel imbécile je suis! Mais quel imbécile! Mais quel imbécile! Non, j'ai mal à la gorge. Hop, j'accélère un peu. Donc voilà, on y est. Comme vous pouvez voir, pont de Normandie à la terre. En fait, aujourd'hui, ça me fait chier. Y a pas de vélo au moins dessus. Ah, ils sont dessus de la Seine. La Seine que tu montes dessus quand tu fais de l'art. Putain.
Excusez-moi de me plaindre, mais j'ai une mal à la gorge. C'est bon. Lisieux, quand là on va pouvoir reprendre l'autoroute. Ça va être mieux. Allez, on va partir sur les yeux quand. Ouais, moi, je vais pouvoir mes vitesses. Accélère! Tu fous quoi là? Toi, bah les couilles. Alors aujourd'hui, je sais pas, je suis pas d'humeur à attendre. Enfin, je te prends la course tout de suite, frérot. Bon, je vais arrêter avec ça, je suis en train de perdre la tête là, c'est bon là. Donc voilà, vous avez vu le pont de Normandie. Bon, de toute façon, tout le monde peut aller le voir sur OTS, hein, mais bon. C'est une zone. Assez sympathique, 363 km pour 6 heures de route. Même si je pense qu'à mon avis, ça va faire moins. Puisque. Après, il y a tout le. Il y a le ferry, vous voyez qu'on va qui va être enlevé, donc ça va être. Alors on va en Nantes. Deauville, Trouville, Lisieux. En vrai, je sais toujours pas la différence entre Deauville et Trouville. Pour moi, c'est les mêmes villes, mais genre c'est. Genre vous voyez, c'est comme Biarritz, Bayonne et Anglais. Moi je pensais qu'en fait la ville avait trois noms, du coup moi j'avais le temps anglais parce que personne ne l'appelle comme ça. Et du coup, ouais voilà. Un baqueux, les baqueux. Les baqueux qui se sont fait arrêter par d'autres baqueux. Je suis sûr que ça doit arriver, ça doit être grave chelou. Ou genre quand en fait celui que t'arrêtes, ben en fait c'est ton pote. Genre ou pire quand c'est ton fils. Bon bref, là on va passer le péage, après je vais avoir une bonne portion d'autoroute. Donc ça va pas trop être intéressant. Cherbourg-Octeville. Octeville. Pareil, Cherbourg on dit Cherbourg-Octeville, mais moi je préfère dire Octeville. Voir quand on va dire Cherbourg, Cherbourg-Octeville. En fait, j'aime bien dire les choses un peu différemment. Histoire qu'on ne donne pas deux noms aux villes pour rien. Voilà. En tout cas, j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Moi personnellement, ça va. Je suis remonté en France il y a quelques jours. Il y a quelques semaines maintenant. Ça fait un peu plus de 2 semaines. 2 ou 3 semaines. Donc j'ai envie de vous dire parfait. Alors là, le grand Jackie, il va me doubler par la droite. Non, c'est bon. Grand Jackie habillé en Marcel avec une C63 SMG bicolore noir et rouge dédié à GMK. Ouais, ben voilà, là on part direction Cherbourg. Enfin, putain, pas direction Cherbourg. Oh, je perds la tête. Direction du coup Saint-Lô. Ouais, on passe par Saint-Lô. Non, 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 non.
Sérieusement, comment tu peux doubler? Ben, moi je mets mon compteur à gauche, mais comment tu peux doubler mon frère? Bon, moi je vais cut et puis on se retrouve une fois qu'on sera arrivé à côté du Mont Saint-Michel. Voilà. À tout de suite. Bon les amis, nous arrivons au niveau de Pontorson, donc on est quasiment arrivé au Mont Saint-Michel. Donc là, vous voyez que vous arrivez, vous êtes fait une arrivée imminente vers le Mont Saint-Michel quand on a le trafic, voilà, qui est un peu plus chargé. Donc, ouais, donc là, moi, je pars. Direction Saint-Brieuc, Saint-Malo, le Mont Saint-Michel, voilà. Alençon. Alençon, pareil. Alençon, j'y suis déjà allé. En vrai, il faudrait franchement que je vous montre des photos. Une terminale d'Amérique. Première à droite. Attendez. On verra ça quand on sera pour remonter. Parce que là, la route qui nous dit qu'il va vers le cimetière militaire américain. Ben en fait, on va passer devant normalement quand on va rentrer. Quand on va remonter vers Grandville. Donc la logique, on devrait passer devant si celui-ci a bien été modélisé. Alors Mont Saint-Michel. Pourquoi tu me fais passer par là, mon ref? Attendez. Oula! Non, ben non, il me fait passer par un train. Par un train où l'on va avec un train et. Attends. On va un train à un train avec un train. Allez, pas mal celle-là. Oh voyez, voilà, j'appelle deux pouces. Allez, je veux faire le Marrakech du rire moi aussi. Allez, c'est parti. Bah, ils vont pas prendre un fou furieux, frérot, qui est habillé en Marcel. En fait, je fais que dire ça parce que je suis habillé en Marcel au moment où je tourne cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai tout le temps ça. Et le Jackie, simplement parce que j'ai regardé au début de la vidéo, comme ça je vous dis honnêtement, comme ça vous allez comprendre. Parce qu'en fait, au début de la. Avant de tourner cette vidéo, je regardais l'instant Jackie. Genre, c'est une vidéo sur YouTube du QG d'été. Et du coup, je fais que dire ça. Parce qu'en vrai, j'adore regarder ça. Les vidéos, l'instant Jackie, j'adore ça. Parce qu'en fait, c'est des vidéos de tuning là, de voiture. Et vu que moi, je suis en ce moment, je suis dans le tuning sa mère. Vous comprenez rien, quoi. Ouais, je passe à côté de vous. Vous comprenez rien. Bon, je déconne. Non, je déconne. On est full origine. Nous, on est les partisans des. Nous, on est des partisans des bécanes origines. Voilà, moi c'est ce que je dis. Parce que beaucoup de gens m'ont peut-être demandé, des potes à moi en tout cas IRL m'ont demandé, ma bécane est en effet origine. Je devais vous sortir une vidéo de présentation, mais finalement, alors on repasse devant le panneau Crédit Agricole que je vous avais montré pendant la vidéo. Alors là, en plus là on arrive deux jours. Ah, ça va être sympa. Bon là ce qu'on va faire c'est que on va ralentir parce que là, quand on va être sur le pont je vais prendre une photo déjà là je vais prendre une photo donc là Là, je vais prendre une photo avec. Voilà, si tu veux une photo. On va faire la pop 5. Voilà, donc je vais faire la petite photo pour la miniature. Voilà. En vrai, j'ai envie de balancer une anecdote. Mais par contre, ça va vous aider, c'est que là-dedans, le long, genre ici, là, à l'endroit où je vous montre, bah en fait, j'ai pissé dedans. Je vais vous dire la vérité, j'ai pissé dedans parce que. Que petite anecdote, d'ailleurs, pour les touristes, les toilettes au Mont-Saint-Michel sont payantes. Voilà! Donc là, on va faire demi-tour.
mets de couronne. Donc, vous savez quoi, je vais pas vous le filmer. Parce qu'en fait, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je sais même pas d'ailleurs combien de temps elle dure déjà. Avant les amis, j'avais un chronomètre, mais vu que j'ai perdu l'habitude en fait de vous faire des vidéos de test, ben je ne l'ai plus. Voilà, donc je ne l'utilise plus. Bon, c'est pas un chronomètre spécial, hein, c'était le chronomètre de mon téléphone, mais ça servait pas, ça servait beaucoup. Comme ça, on savait à peu près la durée des vidéos. Je savais à peu près la durée des vidéos et ça m'évitait de vous faire des vidéos énormes. Et voilà, donc en fait, c'est le petit problème qu'il y a maintenant, c'est que les vidéos peuvent être plus longues et je ne m'en rendrai pas compte. Parce que moi, voilà, je fais des cuts et tout ça, comme là. C'est en fait une roue. Alors, excusez-moi. Que je retrouve le mot en français. C'est une conjoncture, voilà, c'est un conjoint de vidéos en fait. C'est plein de gens, c'est les rushs que vous voyez de la journée, c'est une sorte, pas de daily observation, mais presque, voilà. Alors là, pour moi, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je vais upload la vidéo. L'idée, ce serait que je l'upload. Là, nous sommes, aujourd'hui, on est combien ? Aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 juillet. L'idéal, ce serait que je l'upload demain 21 ou vendredi 22. Samedi 23. L'idéal. Parce qu'après, le problème, c'est que demain j'ai quelque chose à faire et vendredi aussi. Et samedi. Et bon, pas samedi, je pense pas. Mais lundi, je risque de devoir faire des papiers importants. Donc voilà. D'ailleurs, ça, vous le saurez. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais quelle sorte de papiers importants? Est-ce que ça mérite de déprogrammer une vidéo? Tout ça, tout ça. Mais en fait, dis rien maintenant parce que rien n'est fait, mais lorsque ce sera fait, je vous expliquerai. Et croyez-moi que si cette vidéo sort à des dates différentes que celle de d'habitude, et ben croyez-moi les gars que ça en vaudra la peine. Si vraiment tout se fait comme il faut, croyez-moi que ça va en valoir la peine. Parce que généralement, ce type de choses, je pense que vous me connaissez, que je prends pas à la légère. Donc voilà, après, je vous laisse deviner. Voilà. Écrivez-moi en commentaire à votre avis, de quel papier important je veux parler. Donc voilà, et celui qui est le plus proche aura droit à une dédie. Voilà. Je veux aussi vous dire que ça y est, je reprends mon Instagram en main, lucas.dlm31. Voilà, je n'ai pas changé, j'habite pas en 31, mais voilà. Voilà, je l'ai repris en main parce que voilà, je voulais pas. En fait, maintenant je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, je voulais pas vous le raconter avant parce que ça aurait pu m'attirer des ennuis. En fait, j'ai été au mois de mars 2021. En mars 2021, j'ai été victime en quelque sorte d'une dénonciation calomnieuse devant la CPE de mon collège l'année dernière. Là, ça, j'étais en troisième. Et en fait, il faut savoir que ça m'a mené à quelque chose qui était très dur à prendre pour moi, qui était tout simplement, voilà, moi je l'appelle l'incident. Voilà, parce qu'en fait, l'appeler comme ça m'aide franchement à relativiser. Donc, vous étonnez pas que pendant toute la vie, que pendant chaque fois que j'en parlais, je veux dire l'incident. Et en fait, tout ça c'est bien, ça s'est bien fini. Moi, frérot, j'ai fini en n'ayant plus de différence entre mon conscient et mon subconscient. C'est-à-dire que j'ai un problème psychologique qui est que je confonds mes rêves et la réalité. C'est un peu compliqué, mais allez, c'est pas grave. Allez, là on va à Jersey, les amis. On va changer de truc. Je vais à Jersey. Alors, par contre, le port est assez escarpé. Je pense que c'est par là. Faut que je rentre par là. Je tombe dans un port. Wesh, mais. Ah ouais! Ouais, mon ref, ça se voit que c'est un tout petit bateau ici. Oui, j'arrive! Re, les amis. Donc, bon, déjà, je vais préciser un truc.
entre là, les derniers instants que vous avez vu de cette vidéo et maintenant, il s'est passé 24 heures puisque j'ai dû partir un petit peu en urgence. Donc pour revenir là où là on est sur l'île de Gunnerley ou de Jersey? Je sais plus. Bon, ouais, on sait là. À gauche, donc là on va visiter un petit peu tout ce qu'il y a sur l'île. Après on ira finir la vidéo là-bas, histoire de faire notre petit point d'attache. Ça va pas être long, hein. Ça va quand même la peine d'être victoire vers Windrose et Nord-Ouest. Faut aller à 64 km/h. Moi je peux pas mettre à 64 précise, je dois mettre à 65. Donc voilà les amis, bon je sais que ça a été un petit peu une vidéo pas trop intéressante. Voilà, on a fait beaucoup d'autoroutes, on a pas trop ping. Désolé, on n'a pas trop parlé, voilà. Mais c'était quand même sympathique, voilà, on découvre Gunnersey et Jersey. Alors juste là moi je voulais doucement parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous sommes bien, on va à Trinity, on va à l'espèce d'agro-nord là, donc on ira faire notre petit point d'attache. Donc voilà, donc ça c'est la petite île qui appartient à l'Angleterre, qui est du coup au large de Cherbourg, comme vous pouvez voir sur ce truc. Là, on va éviter d'aller faire le plein sur cette île parce que je pense que ça doit coûter très très cher l'essence là-bas. Comme partout maintenant, hein, c'est 2 balles du litre. Partout, enfin du côté de chez moi, on n'y est plus. On n'est plus à 2 euros du litre grâce à Dieu. Ah, ici on a un petit froid. Je vais tenter de payer. Là, je vais faire ça. Je vais mettre comme ça, parce que je sais pas si on peut faire le tour. Bon, après, ça c'est une ferme agro-nord, hein, basique. Donc voilà, et puis c'est bon, on va même finir la vidéo ici. On va pas aller à Saint-Hélier. Saint-Hélier, je pense, ça va pas être trop intéressant, donc on va se mettre là. Donc on va arrêter, j'ai même pas regardé le compteur journalier, on va couper le moteur. Donc pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti, alors du coup je peux enlever ça. On est parti de Valenciennes, on s'est avait pas mal de cas de voix, on est passé par là, ici je vous ai filmé un petit bout. Après là ici j'ai coupé, j'ai fait tout ça en off. On est allé voir le Mont Saint-Michel, nous sommes à la grande ville, après Trinity, Saint-Hélier, et là, bon Saint-Hélier je pense qu'on s'en bat les couilles. Donc prochain trajet, on ira, je pense, je sais pas, si on monte ou si on descend, on verra bien. Je sais que si on monte, on ira l'idéal ce serait qu'on parte en Angleterre, on va à Portsmouth, Southampton, Exeter, Plymouth. Et après de Plymouth, ce que je voudrais bien, c'est ou partir. Ah oui, merde, le problème c'est que après c'est cher. Ou après au pire, c'est ou après de Plymouth, ça c'est sûr, on ira à Plymouth. D'ailleurs, je vais marquer un point, on est sûr qu'on ira. Je vais marquer que je passe par là, moi, du coup. Voilà, comme ça, ça nous fait ça. Et après, de là, c'est où de Plymouth, on remontera, après on repartira vers Cardiff, Swansea, Fishguard, et après partir en Irlande, ce qui serait sympa. On irait peut-être en Irlande du Nord, et on fera peut-être un petit tour en Angleterre, ou après on irait peut-être à l'île de Ramsey, Douglas, tout ça. Ou après on repartirait vers l'Espagne, et après on ferait Bilbao, Pamplona et Lérida, Barcelone, pour après finir. Ah, ici ils sont plantés, est-ce qu'ils ne s'est pas si en pointe, ça s'en va. S'ils se sont plantés. Et après, l'idéal ce serait rentrer ben, chez moi. L'idéal ce serait de passer devant chez moi. Donc voilà.
Je vous laisse sur, sur une vue de ce très beau camion. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Portus.